Liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekoti kala seko na kombo ya nzakumba na kombo ya nzambe pumitulenda mbanza velela lelo ezali mokolo ya anniversaire ya mboka na biso Congo le 17 décembre 2023 tozali na kati ya 523e édition ya botama ya mboka Congo. Na ko s'exprimer na lingala mo mukie mais en même temps on peut s'exprimer na français pour tous ba messager donc ba messager ba yé ko couper sa sango ko peut couper sa sango na lingoma na biso tolo ba tozali ba lo pandi sango ya lombangu ya lilo banzambe ya bakoko na biso donc c'est pour cela to pesi pe terme ya messager to yé ko couper ce message dans mon mubimba pour mon mubimba ayez ba place tozali nakati ya mukili ya nzambe tozali nakati ya perturbation milieu mezo tambola biso toye ko couper sa reconnaissance na biso et pas ya nzakumba et tozali nakati anniversaire donc anniversaire oeza anniversaire exceptionnel anniversaire moko oyo maman na biso maman koko nzinga apesa ki etando mobimba mboka ya mboka Congo apesa ki kombo ya Congo donc etando mobimba ya Afrique apesa ki kombo ya Congo donc eza na kombo moko ya grande puissance eza na kombo ya Nzambe donc liloba Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakumba lingoloba la parole de Dieu c'est la vie éternelle celle de nos ancêtres restera toujours éternelle par le nom tout puissant du créateur. Donc, comme on le disait, aujourd'hui, nous fêtons la 523e édition de l'anniversaire du Congo, c'est-à-dire depuis le 17 décembre 1500, premier siècle, première année de notre ère bantou, jusqu'à nos jours, le 17 décembre 2023. Donc, le sujet dont on va se fixer va se baser sur la détente de la réception de la gloire. La détente de la réception de la gloire. Dans le logo, quand vous voyez le logo de la fête, de cette fête, nous retrouvons huit éléments. Huit éléments pour la détermination du circuit des orientations des énergies, des esprits divins ancestraux qui viennent alimenter nos mémoires perdues. Le circuit de cet anniversaire spécial est lié par l'accompagnement de la puissance de revenus de bénédiction par rapport aux chiffres numériques de ce dimanche 17 décembre 2023. Pour rendre honneur, comme toutes nos fêtes, nous chantons des chansons de purification, de louange, d'invocation et de glorification, étant reconnues telles que des prières. Cet accompagnement de louange nous lie dans les circuits magnétiques de la puissance de croisement qui va nous permettre de retourner aux sources du commencement de notre point de départ. Et ici, pour cette fête, nous chantons 12 chansons. 3 d'invocation, 3 de louange, 3 de glorification et 3 de purification. Lorsqu'on parle de retourner aux sources du commencement, nous le voyons et on n'arrête pas de dire que le vent souffle. Et quand on dit le vent souffle, c'est pour tout Africain. Aujourd'hui, l'Afrique se lève. L'Afrique se lève. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, le Niger s'est levé. Et nous réclamons notre indépendance et notre liberté. Surtout la jeunesse, parce que la jeunesse, elle a compris. Nous ne sommes plus dans le temps colonial où nos parents ont tout accepté. Aujourd'hui, la jeunesse, elle a besoin de vérité. Elle a soif de vérité. Elle a soif de cette indépendance parce que lorsqu'on parle de l'indépendance, faut savoir que tous les pays africains, les 54 pays africains que l'Europe a divisé,
n'a jamais été indépendant. Lorsque la Mali fête l'indépendance, le Sénégal fête l'indépendance, et nous, Congolais, quand on fête aussi l'indépendance le 30 juin, qui a été proclamée le 30 juin 1960, ben, on n'est pas indépendant. À partir du moment où on continue à parler les langues coloniaux, on continue à rester dans le système colonial. Donc, il faut qu'on se débarrasse déjà de ce système colonial-là et que nous mettions en place nous-mêmes notre propre gouvernement, notre propre éducation, qui va faire que ben, l'Afrique va se lever. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le vent qui souffle, justement, c'est ce vent-là qui en est dans le croisement, qui nous permet aujourd'hui de voir l'avenir autrement, et surtout pour le peuple africain. Donc, pour cette occasion, et toujours dans le cadre de la reconnaissance que nous devons avoir pour le Créateur, nous faisons plusieurs prières parce que nous arrivons dans la lumière de révolution et dans les turbulences, comme on disait là, les turbulences comme on a là au Mali, comme on a là en Israël. Toutes ces turbulences-là, c'est dû à toutes ces puissances magnétiques qui accompagnent cette année 2023. Donc, parmi les prières, nous retrouvons la prière de gloire, prière de l'anniversaire du Congo, la prière du support des esprits planétaires bantous, la prière d'alliance, prière de l'espoir, prière d'accompagnement du donné, code 8, prière de centralisation des énergies du soleil. En ce qui concerne la prière de centralisation des énergies du soleil, on l'accompagne avec le rituel, pardon, de centralisation des énergies à partir de 6 heures du matin. Parce que c'est le soleil à ce moment-là qui laisse paraître une couleur assez argentée, donc l'argent blanc. Justement, lors de ce rituel-là, il faudrait posséder le métal, l'argent blanc, pour pouvoir bénéficier bénéficier de l'activation de l'énergie du soleil. Donc, cette réunification des énergies nous permet d'avoir la détermination de continuité de notre parcours, qui nous permettra de rester dans l'attachement des orientations, des voies libres des épanouissements. Les voies libres des épanouissements. Donc là, la jeunesse est en train de se libérer de ces chaînes pour rentrer justement dans la phase d'orientation des voies des épanouissements. Parce que nous réclamons nos droits, nous réclamons justice. Justice parce que on ne peut pas venir et nous dire que le temps de l'esclavage est passé. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose et avancer. Nous ne pouvons pas avancer si nous avons derrière nous des bagages que nous n'avons pas réglés. Et tant que ces bagages-là, coloniaux, nous l'avons toujours pas réglé, ben nous ne pourrons pas avancer. Nous, Africains, en tout cas, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer autour des mensonges tels que l'église kimbanguiste, qu'on appelle, nous en tout cas, église diangendiste, parce que elle participe au mensonge colonial qui détruit en fait l'histoire réelle de Mvuluzi Kimbangu, que nous on déclare être le sauveur, celui qui a été appelé par Nzakomba pour nous libérer, nous les Noirs. Donc, Mvuluzi Kimbangu, comme nous on dit, il n'est pas mort, il peut pas mourir. Il y a beaucoup de lieux saints qu'il a laissés, et nous sommes là pour justement mettre en lumière toute la vérité sur Mvuluzi Kimbangu, mettre la vérité sur le Congo. Le Congo, c'est quoi? Le paradis que tout le monde cherche, ben, c'est le Congo, c'est chez nous. Donc, il faut qu'on en soit fiers. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui savent que le 17 décembre 1500, il y a Mama Koko Nzinga qui a déclaré que l'étendue de l'Afrique tout entière s'appellera le Congo, et le Congo est une grande puissance. C'est le nom du Congo. Le paradis qu'on est en train de chercher, c'est le Congo. S'il y a autant de massacres, s'il y a autant de meurtres, s'il y a autant d'injustices au Congo, c'est parce que l'Europe a compris, l'Union européenne a compris
le Congo, c'est quoi? Mais nous-mêmes, Congolais, nous ne savons pas c'est quoi le Congo. Alors que nous devons être fiers et défendre notre patrie, défendre nos lumières. Parce que tant que le Congo ne se relèvera pas, il faut se dire que l'Afrique tout entière ne pourra pas se remettre comme il se doit. Et nous, enfants d'Afrique, enfants d'esclaves, enfants de nos ancêtres, on est venus se battre aujourd'hui et réveiller le monde pour dire que oui, nous lançons le message, nous sommes venus, grâce à Mbulus Kimba, nous sommes venus dire aujourd'hui que on a compris la colonisation, aujourd'hui on n'en veut plus. Nous n'avons plus peur, nous, la jeunesse africaine aujourd'hui, nous n'avons plus peur de relever les manches et de dire que c'est nos ancêtres qui ont fait qu'aujourd'hui nous puissions être debout. Donc nous allons continuer à être debout et à se manifester. Et à travers le vent qui souffle, nous voyons la réalité de tout ce qui se passe en Afrique, de tout ce qui se passe en Israël. Il suffit juste que nous créons l'unité en Afrique pour que nous comprenions que face au système colonial, nous sommes plus forts, nous, Africains, que ça soit le Burkina, que ça soit le Mali, que ça soit le Congo, que ça soit le Sénégal, que ça soit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, nous ne sommes qu'un. Donc il faut que nous nous réunissions pour que l'Afrique puisse se remettre de ses cendres, comme on dit bien. Donc voilà, pour le repas de cette fête. Le repas de cette fête, nous consommons les aliments qui représentent la communion, afin que l'alimentation d'amour et l'unification retrouvent leur équilibre dans la chaîne d'attachement de la vie éternelle. Nous mangeons tout type d'aliments qui vont réveiller nos sens à fort caractère, tels que des animaux sauvages, afin de renforcer nos capacités à supporter la charge de responsabilité qui nous incombe. Aujourd'hui, on protège les animaux sauvages, oui, c'est bien, mais il faut savoir que eux-mêmes utilisent la puissance des animaux pour élever leur capacité à avancer de façon même démoniaque dans le système. Et ils nous ont interdit nos propres animaux et nous n'avons même plus le lien avec la nature. Les animaux font partie de la nature et nous avons un lien avec les animaux. Et nous mangeons toute diversité d'animaux, dont le léopard, dont les éléphants, mais avec des principes et des caractères propres aussi à l'alimentation qui va honorer la chasse, parce que nos ancêtres chassaient, mais ils chassaient pas n'importe comment. Aujourd'hui, on détruit, on ne chasse plus, on détruit. On prend n'importe comment pour s'alimenter des bienfaits, par exemple des cornes de rhinocéros et d'autres choses. Mais on parle de sorcellerie dès que nous, les enfants de nos ancêtres, on va s'habiller avec les peaux de léopard, avec la richesse de notre nature. Alors aujourd'hui, on vient justement déclarer que ce n'est pas de la sorcellerie si quand on porte les peaux de léopard. Ce sont des animaux qui sont protégés, oui, on les respecte, oui, car ils symbolisent beaucoup. Ils symbolisent une grande puissance chez nous, donc il faut que l'on soit fier de cela et digne de ça. Donc on représente la peau du léopard par exemple chez nous pour sa puissance, donc et pour le fait de rester dans cette connexion avec la bête, avec l'animal. Donc à cette occasion du 17 décembre, nous mangeons toutes sortes de diversités d'animaux sauvages pour pouvoir avoir la capacité de supporter la charge mentale, la charge physique, psychique qui arrive
On doit supporter, parce que nous sommes les gardiens de ce monde, comme l'on dit si bien, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que c'est lui qui supporte le monde. Et il a toutes les ressources sous terre, les structures qu'il faut pour supporter tout le poids du monde tout entier, 510 millions de kilomètres carrés. Donc voilà. Nous mangeons aussi les pommes de terre, Mbala, pour l'équilibre du fonctionnement du corps et ça favorise également l'évolution de l'union, le mélange. Nous avons également les repas de maintenance. Les repas de maintenance, ce sont les aliments riches en fruits. Elles vont nous permettre le soutien de la puissance de maintenance en charge, c'est-à-dire le maintien ou encore l'apaisement du rythme cardiaque. De ce fait, elle permet également d'assurer l'équilibre de charge de responsabilité. Les éléments naturels d'alimentation. Tous les éléments naturels démontrent et représentent la puissance, la richesse et la grandeur de Congo. Parmi ces éléments, nous retrouvons le diamant, Tadidia Congo. C'est le lien des fréquences des énergies de vérité ainsi que la fréquence de réunification. Cette pierre exceptionnelle nous donne l'éclairage magnétique d'accès libre de fonctionnement de la force d'attraction de tout ce qui est positif. Elle favorise également l'alimentation de la production de la joie. C'est pour cela que nous les Africains, même si ça va pas, on n'a pas mangé aujourd'hui, on garde quand même le sourire. On a le sourire parce que ben c'est comme ça, c'est en nous, c'est ancré en nous, on a la joie. On a la joie de vivre, on a la joie d'exister. Donc, c'est ancré en nous. Donc, il ne faut pas s'étonner. Il faut pas s'étonner parce que, comme on dit chez nous, Bonzambé, Mutumwi dans un Bonzambé. Il ne faut pas se tromper. Il y a la jalousie chez nous, tout comme il y a la jalousie partout. Mais, Toza, quand même, na Bolingo. Et toyebi, c'est quoi Bolingo? Parce que tozaï na kacha bonzambe. So toyebi nzambe, toyebi, toyebi Bolingo. Parce que nzambaza Bolingo. Donc, et il nous a donné la pierre la plus extraordinaire du monde, le diamant qui nous procure la joie. Donc, le lien de fréquence des énergies de vérité, le diamant. Elle favorise l'alimentation et la production de la joie, le diamant. Nous avons également le cuivre rouge. Le cuivre rouge, c'est le lien de fréquence de détermination de la vie. Le cuivre jaune, c'est le lien de fréquence d'alimentation et d'activation des énergies. Mais dans le cuivre jaune, nous avons trois circuits magnétiques. Par exemple, dans le cuivre jaune face à l'eau, elle a la capacité d'alimentation des énergies, d'absorption des énergies et d'activation des énergies. Et le cuivre face au vent, elle attire les énergies, elle repousse les énergies et elle absorbe également les énergies. On a aussi l'élément qu'on appelle boule de cristal Baccara, qui nous donne la puissance de l'indication, la puissance de découverte et de couverture et la puissance de l'orientation. La fête du Congo nous apporte la force des lumières magnétiques afin que nous puissions briller dans le monde face à n'importe quel obstacle. Elle nous donne aussi l'accès d'ouverture, d'alimentation des lumières, du soleil et de la lune qui traversent au-dessus de nos têtes. Ces lumières s'étendent par la suite sur toute l'étendue de la Terre, 510 millions de kilomètres carrés. Les lumières magnétiques agissent sur la bonté de chaque personne sur la Terre. La fête du Congo valorise les rois et les reines, les princes et les princesses, de par sa force d'attraction au lien de la cadence bourgeoise, mais aussi pour honorer le Créateur. Si nous prenions l'habitude de nous couvrir de pierres telles que le diamant, l'or, le cuivre, l'argent,
ou encore si nous résidons autour de ces éléments naturels, elle nous permettrait d'avoir la détermination d'une longue durée de vie. C'est comme on dit, le diamant est une pierre exceptionnelle. Cet anniversaire, c'est l'anniversaire des rois et des reines. Nous portons de l'or, nous portons du diamant. Cela fait partie de notre tradition. Ça fait partie de la cadence bourgeoise. C'est un peu comme la sapologie. Mais là, moi, j'aimerais dire que oui, ça fait partie de notre joie de vivre. On retrouve là la sapologie qui fait un petit peu partie de la cadence bourgeoise. Sauf que maintenant, aujourd'hui, la sapologie d'aujourd'hui, nous mettons du plastique, Yamayoji, ou je ne sais pas quoi, ou du Dior, qui vont aller voler dans les symboles un petit peu traditionnels de chez nous. Et on va oublier l'or. On n'a plus d'or, mais on va aller chercher du plastique et ma moto à 35 000 euros. Alors que nous avons l'or. On nous a interdit l'or, alors que nous portons l'or. L'or est un élément, Dior est le diamant est un élément qui fait partie de nous et nous devons l'avoir. Parce que c'est ça qui nous donne la force de détermination. Parce que c'est ça qui représente le fait que nous sommes des rois et des reines, des princes et des princesses. C'est notre dû. Les éléments naturels de chez nous. Nous sommes des Congois et des Congoises. Nous méritons le titre d'honneur. Nous sommes dans la détermination, dans le croisement de cette royauté. Donc, nous, Congolais, il faut savoir que tu es une princesse, tu es un prince, tu es une reine, tu es un roi. Et cette fête nous permet de savoir d'où on vient. Nous portions de l'or, nous portions du diamant. Aujourd'hui, ils viennent prendre nos ressources pour eux s'alimenter de notre énergie, puiser notre énergie. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle veut garder son énergie. Elle veut puiser son énergie dans les pierres de la richesse de nos ancêtres. Nous avons ce droit-là et nous sommes venus dans cette détermination-là de démontrer au monde entier que nous avons cette magnétisation, ces puissances énergétiques du soleil et de la lune qui nous permet de retrouver ce croisement-là pour retourner dans notre ressource, pour nous épanouir librement. Matoumi. Donc, cet événement fonctionne également par l'attraction du circuit magnétique d'ouverture des données, ainsi que par l'attachement de l'orientation de la source divine. Parce que la source divine, encore une fois, c'est Congo. N'allez pas chercher plus loin le paradis, parce qu'on ne vous a même pas donné l'indication vraiment du Congo. Mais nous, les messagers, nous sommes venus vous dire que c'est au Congo. Le paradis, il est là. C'est pour ça que l'Amérique n'arrive pas à partir. Ils viennent puiser notre énergie en prenant notre diamant. Le Congo porte la charge du monde tout entier parce qu'elle fonctionne avec la force d'attraction du chiffre 5 par rapport aux 5 structures de la Terre. Le 17 décembre 2023 est lié au circuit magnétique de la puissance des esprits de bonté par rapport aux fréquences du chiffre de grandeur 5. 2023, c'est le 23, c'est 2 plus 3 qui font 5. La détermination de 3 mois définie par le chiffre 3 représente le croisement auquel il est également lié. Donc le 17 décembre 2023, c'est le mouvement magnétique qui prépare l'accueil de la gloire de l'Éternel. Nous sommes dans la détente de réception de la gloire par rapport à la 523e édition de l'existence du Congo. 523e, c'est 5 plus 2 plus 3 qui font 10.
10, c'est 1 plus 0 qui font 1. Nous sommes là dans le chiffre de la puissance de l'unité qui nous mènera au mouvement du parcours de réception de la gloire qui arrive en 2025. Donc nous sommes dans l'unité. Le Mali, le Niger, le Burkina a commencé déjà l'unité. Et l'Afrique, le reste, les 54 pays, va continuer. Le vent va souffler en tout cas pour que nous continuions cette unité. Parce que l'Afrique ne faisait qu'un. Mama Kokonzinga a appelé l'étendue de l'Afrique tout entier Congo. Nous sommes tous des Congo, des Congo, des Congois et des Congoises. Le Mali, le Niger, le Burkina, je répète, le vent a soufflé, a commencé déjà à se réunir. Nous allons continuer à suivre. L'église kimbanguiste nous a envoyé en commentaire qu'ils ont le président Félix Tshisekedi avec eux. Moi, je vais vous répondre, église kimbanguiste, que j'appelle église ndiangendiste, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre le président avec vous-même, vous allez partir en Israël. Là-bas aussi, il y a le combat qui est là-bas. Que Papa Kiangani aille aider la population de l'Israël. Parce que aujourd'hui, le peuple congolais, la jeunesse congolaise, refuse de continuer à vivre dans l'ignorance de l'existence des colonies en Afrique, surtout chez nous. Vous faites partie de l'église coloniale. Vous pouvez partir avec le président en Israël parce que un président qui n'a pas compris que son sous-sol regorge de richesses et qui n'est pas capable de défendre le Congo, qui est une puissance, il peut partir avec vous en Israël. Vous allez construire Jérusalem nouvelle, là où il y a la guerre. Chez nous aussi, il y a la guerre, mais vous avez proclamé qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, au Congo, nous avons trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit que vous avez proclamé. Que vous dites si bien qui a gagné, qui est Dieu. Nous proclamons que qui a gagné ne peut pas être Dieu. Il n'a pas de puissance, il ne représente rien. Il représente la destruction du Congo. Il représente l'aliénation mentale du Congo. Et si le président Tshisekedi Félix Tshilombo a décidé de se joindre à vous pour pouvoir se manifester avec vous, il est dans la perdition. Qu'il le sache bien, que nous, jeunesse congolaise, nous lui disons bien, Félix Tshilombo, monsieur le président, vous êtes dans la perdition si vous pensez que en rentrant dans l'église djangendiste du Congo, vous êtes dans le vrai. Nous vous disions que vous êtes dans le faux. Parce que, en aucun cas, Nkamba, qui est le nom qui a été donné à nos ancêtres, Nkamba est le nom qui a été donné à nos ancêtres, ne peut pas devenir Nouvelle Jérusalem. Non. Nous ne sommes pas les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que nous sommes les lions, nous sommes les léopards. Nous sommes les forces de la nature. Donc comment nous, en tant que forces de la nature, nous pouvons suivre les brebis perdues de la maison d'Israël? Vous allez partir tous en Israël et nous laisser le Congo pour que nous puissions créer une unité dans tout l'ensemble du Congo pour que enfin le Congo puisse retrouver sa gloire. Parce que vous êtes les perturbateurs. Vous n'avez pas la vérité. Et nous continuerons à vous dire que tant que nous n'aurons pas eu la justice de Mouloud Kimbangu,
Nous continuerons à défendre les droits qui nous est dû. À les rechercher et à vous le dire. Mboulous Kimbangu n'a pas eu d'enfant et Mboulous Kimbangu n'a jamais été marié à Maman Mouilou. L'église kimbanguiste a été faite par tripotage de l'histoire coloniale. Les enfants Kiangani, Diangenda, Kisoloke, les Bangonios, eux tous, ne sont pas les enfants de Mboulous Kimbangu. Donc comment ils peuvent venir salir le nom de Mboulous Kimbangu? Vous avez détruit la puissance divine qui nous a été apportée. Et vous continuez à bafouer avec toute arrogance le nom de Mboulous Kimbangu. Vous êtes dans la perdition. Parce que nous sommes dans la détente de la gloire, nous attendons la gloire de l'Éternel. Et les manifestations divines le prouvent. Kiangani, est-ce que vous pouvez nous demander, nous dire, qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo exactement? Parce que jusqu'à présent, la guerre perdure à l'est du Congo. Le Congo continue à être pillé. Alors, qu'avez-vous fait? Nous attendons la réponse de M. Kiangani, proclamé là-bas au Congo comme étant le Dieu. Nous attendons votre réponse. Et nous attendons aussi l'ouverture du cercueil, bien évidemment, parce qu'on n'arrête pas de le dire aussi. À partir du moment où Mboulous Kimbangu, les colons belges l'ont arrêté, ont essayé de le tuer de n'importe quelle manière. Ils ont essayé de le tuer, ils l'ont jamais tué. Il avait dit, je pars réunir les enfants qui vont terminer avec toute cette histoire démoniaque. Et nous sommes là, nous sommes les enfants qui sommes venus détruire tous les liens coloniaux. Toute cette destruction que vous avez mis autour du mensonge, de la réalité de Mboulous Kimbangu. Nous sommes là. Bana Bilaka. Bana Mboulous Kimbangu. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Et ceux qui sont rêvés ne vont plus accepter le mensonge que vous avez mis autour de Mboulous Kimbangu. C'est impossible. Nous, on ne peut pas croire au Dieu qui en gagne. C'est impossible. Si on est réveillé, on ne peut pas croire à ça. Si on est réveillé, on ne peut pas croire à ça. Donc vous allez partir du Congo. Vous allez partir, rejoindre, vous allez bien mettre la boussole direction Israël. Boussole direction Israël. Parce que nous manifestons pour que le Congo reste dans l'unité. Matondo. Pour continuer, nous allons dire que en 2025 est lié par deux énergies de fréquence magnétique. 2025, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 5 qui font 9. 9, c'est les chiffres de détermination du circuit. Le circuit qui est en train de circuler là aujourd'hui, 2023, 2024, 2025. Nous sommes dans la détermination du circuit. 25, 2 plus 5 qui font 7. C'est le revenu de bénédiction, c'est la puissance du revenu de bénédiction. Nous sommes venus chercher notre bénédiction. La jeunesse africaine est venue chercher sa bénédiction auprès de l'Éternel. Parce que Congo, c'est lui l'Éternel. Dans l'histoire de la naissance du Congo, le 17 décembre 1500, première année du commencement du monde, Mama Koko Nzinga, deuxième génération africaine bantou, nomma toute étendue de la terre, comme je l'ai dit, de l'étendue de l'Afrique, Congo. L'attraction de la force de continuité de notre génération 2000, de l'an 2000, Bana Bilaka, ya Kotomi Balé, elle est liée à l'attachement de l'appui
de l'accompagnement du lien d'attraction de force de circuit magnétique à titre de rappel par Mama Koko Nzinga Mbadi, reine du village Matamba. Elle avait prédit l'arrivée des Congois et des Congoises, des rois et des reines, des princes et des princesses. Car depuis 1500 à nos jours, 2023, nous sommes dans la 523e édition de la naissance du Congo, définie comme étant la fête de la gloire, la fête de la diversité de la nature, la fête des rois et des reines et la fête des princes et des princesses. Il y a un peu de seko il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. On va se retrouver pour une prochaine vidéo pour faire la continuité sur les prières de ce jour 17 décembre 2023, anniversaire du Congo. Et nous allons chanter aussi les 12 chansons attribué pour cette occasion. Mato Ndomingi, Etika Bongo, Lilo Banzambe Bongo Seko, Teke Lamo, bonne fête à tous les Congolais. Vous ne connaissez pas cette fête, mais aujourd'hui vous allez la connaître et soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Bosa lo lendo polo, lelo boyebike, toye babiso Congolais que photo sa la lo lendo. Photo là, tu as un diamant, toi qui nous reçois un diamant, un abisso. Toi qui nous reçois un wall, un abisso. Toi, don, un ango. Toi, ça, le lendo. Pour bisonde, bisonde, les rois et les reines, les princes et les princesses. Bonne fête. Take it, l'amour.